Corrigeons ces bêtises, Nan, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Dans cette vidéo, on va faire un ne choisissez pas le mauvais lit. Alors ici, on a le lit orange, un lit rouge, du coup, ça sera celui de Spider-Man, que vous pouvez le voir. Ici, on a un lit orange, du coup, ça sera celui de Pikachu. Le lit, il est orange, c'est normal, les amis, parce que son évolution, c'est Raichu, et peut-être qu'il va bientôt s'évoluer Pikachu, donc il va sûrement devenir en orange. Donc voilà, ce qui explique la couleur de son lit. Et ici, on a le lit de Marina, comme vous pouvez le voir. Et du coup, les amis, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification, de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura plus de personnes qui vont regarder la vidéo. Et si on, dès qu'on atteindra les 100 000 vues dans cette vidéo, je vous ferai gagner des jeux Minecraft sur plusieurs consoles, telles que sur PC, sur PS4, sur Xbox, ainsi de suite, les amis. Bref, les amis, on va tout de suite commencer par la base secrète de Pikachu. Du coup, les amis, c'est parti. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Pikachu, et cette fois-ci, on va vraiment le voir. Du coup, salut Pikachu. Salut. Ok, du coup, les amis, on descend, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, du coup, on a une grande base. Ouais, c'est vraiment une grande base. La grande, elle est vraiment longue en longueur. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, Pikachu? Bah, regarde comment il s'appelle. Ça, c'est Peppa Pig, non? C'est Peppa Pig, ce cochon, non? Mais il est renommé. Ah, il est renommé. Mais comment je fais pour savoir... Mais comment je fais pour savoir son nom? Ok, bon bah ok. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui dans cette base secrète? Regarde dans le coffre là vite fait. Ouais, dans le coffre, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, on a des graines et une eau en or. Du coup, qu'est-ce que je dois faire avec? Ah, je dois planter un... Ah ouais, ok, d'accord. D'accord, bon bah du coup, les amis, je dois cultiver des plantes. Hop. Alors, on va juste commencer par faire ça. Et du coup, c'est parti pour poser les graines. Ok, super. Et du coup, faut que j'attende que ça se truc ou non, je peux c'est bon. C'est fini. Ah bon bah super, nickel. Bon bah attends, je redépose tes petits affaires et du coup, c'est nickel. Et du coup, tu voudrais pas quelque chose d'autre? Non, ce sera tout. Bon ouais. Alors attends, juste il y en a juste là. Faudrait juste que je recultive là. Hop, voilà. Ouais. Ok, du coup je redépose. Ok, super. Il faut aussi que tu améliores la chaise là. La chaise? Alors attends, pour faire ça, il faut que je me mette en créatif. Du coup, les amis, on va se mettre en créatif. Et du coup, je vais lui préparer une petite chaise gamer. Je vais voir si j'en ai pas en stock. Alors hop, on va regarder dans l'inventaire complet. Je crois que j'avais des chaises gamer. Donc je sais pas vraiment où il se situe. Alors hop, non, c'est pas ici. Ah, on a une table de billard. Non, bon bah j'ai pas, je crois que... Ouais, je crois que j'ai pas. Attends, on va voir. Village. Ah bah si, voilà. Ah bah le voilà. Ok, du coup, hop, on dépose ça. Non. Merde, <j'ai... rire> les amis, j'ai fait spawn un zombie. Donc ce qu'on va faire, on va juste redéposer sa chaise. Hop, voilà, on prend l'escalier en quartz. Et on le dépose comme ceci. Et on prend les pancartes. Du coup, les amis, c'est parti. Pour enfin les panneaux pour que ça fasse un genre de fauteuil. Ok, du coup c'est bon, c'est nickel Pikachu. J'ai un peu bugué là. Ouais, du coup t'aurais pas une petite récompense pour moi? Bon si. Ouais, vas-y, bah passe-moi ta récompense. D'ailleurs il fait un tout petit peu sombre là, on va juste mettre de la lumière. Voilà, du coup vas-y. Alors qu'est-ce que tu m'as passé? C'est des bols ainsi que un seau de poisson. Ouais, c'est bon, ça suffit. Ok, bon bah merci Pikachu. Ah, il m'a passé une épée en or. Oh, c'est vraiment super génial. Bref, les amis, comme vous avez pu le voir, Pikachu nous a passé une épée en or. Donc franchement, bah merci à lui. Et du coup, les amis, on va tout de suite continuer par Spider-Man. Du coup, on n'est pas la peine de descendre jusqu'en bas. On va directement sauter. Alors, on va essayer de sauter. Ok, c'est bon, on a réussi. Du coup, salut Spider-Man. Salut. Ouais. Bon, bah, vas-y, tu m'emmènes dans ta base. Ok, allez-y. Et c'est parti. Oh, bah, merci, mec. Ok, les amis, comme vous avez pu le voir, Spider-Man est vraiment gentil. Il m'a laissé rentrer en premier. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? On a plusieurs toiles. Spider-Man, tu t'amuses dans ta base ou c'est comment, là? Moi, je fais tchoum.
Ah ok, okay. Ah bah oui, c'est comme dans le film. Les amis, je sais pas si vous avez vu Spider-Man 1, le vrai film là, le tout premier Spider-Man. Bah en fait dans ce Spider-Man, on a Spider-Man, Peter Parker quoi, qui s'amuse un peu dans sa chambre lorsqu'il a ses super pouvoirs. Donc il utilise les toiles un peu partout dans sa chambre. Bref, du coup tu voudrais pas que je t'enlève tout ça là parce que c'est vraiment un peu dégueulasse. Ok bon, tu sais quoi? Bah, ok bah vas-y bah passe-moi une cisaille pour que je puisse. Ah bon bah il me l'a passé. Ok hop voilà. Et du coup on va enlever toutes les toiles. Ok du coup tac 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 tac. Et du coup après les toiles je les mets dans la poubelle ou. Ah bah non je crois que je les récupère pas. Tu les passeras. Ouais bon bah en fait je les récupère pas. Je crois qu'ils tombent pas. Ah si ils tombent. Ah si c'est bon. Bon bah. Tu les donnes pour que les récupères et là, recharge. Ah oui, ah ok, tu as trop chargé. Parce que t'as plus de toile. Ok, ok, bon bah super. Et tu sais quoi, bon bah tiens, voilà, je crois que j'ai presque tout fait. Ouais, c'est bon. Ah bah non, t'en as fait aussi sur lit. Eh, mais t'es vraiment un malade, hein, Spider-Man. Ok, du coup, voilà tes toiles, tes 29 toiles. Je crois que c'est fini, je crois qu'il n'y a plus rien du tout. Ah si, il en reste un en dessous de la table de billard. Bon, on va le récupérer comme ceci. Et du coup voilà. Non, arrête d'en mettre, ça suffit. Parce que j'ai pas que ça à faire. Du coup tiens, je te laisse récupérer tes toiles. Et tu me passes ta petite récompense, Spider-Man. Yeah. Allez, vas-y. Allez, passe. Ah, c'est l'étoile d'araignée. Ah, pour que je puisse voler. Oh, c'est vraiment stylé, les amis. Ouais. Hey, regardez les amis, j'ai reçu des toiles de la part des Spider-Man. Oh, c'est vraiment super génial. Les amis, si vous voulez avoir des toiles de Spider-Man, bah, vous avez juste à liker la vidéo. Et lorsqu'on atteindra 5000 likes sous cette vidéo, bah, je vous ferai gagner quelques toiles d'araignée de Spider-Man. Bref, du coup Spider-Man, je te remercie pour ces toiles. Et bah, je passe à la prochaine base secrète. Ok les amis, comme vous pouvez le voir, on a Marina qui est toujours là-bas. Merde, j'ai perdu de la vie. Bref, c'est pas ça le souci et on y va directement dans la base secrète de Marina. Ok les amis, on monte les échelles et pas les aisselles. Ok, du coup on redescend. Et Marina, je crois qu'elle est directement à l'intérieur. Alors, ah j'entends des bruits de nagement. Ah bah regardez, elle est en train de nager, regardez Marina est dans sa... et dans son aquarium. Avec, c'est qui ça? C'est qui ça? Oh, regardez les amis, c'est bébé Darwin. Oh, il y a bébé Darwin. Ah, c'est ton ami. Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est... Salut, salut. Du coup, salut à toi aussi. Et du coup, Marina, comment ça va? Très bien. Juste pour te dire, ne regarde pas dans ce cas. Bon, bah, du coup, je vais regarder. Ah, bah, il y a une épée. Épée de Charcot. Oh, les amis, regardez, il y a l'épée de Charcot. Vous, dites-moi dans le commentaire si vous connaissez Charcot. Tiens, je récupère l'épée, c'est pour moi. Non. Oh, regardez les amis, c'est vraiment magnifique. Il y a plusieurs fleurs autour de sa base. Oh, c'est vraiment magnifique. Dites-moi dans le commentaire si vous trouvez ça beau. Moi, personnellement, je trouve ça bien. Et du coup, qu'est-ce que je te fasse aujourd'hui, Marina? Je voudrais que tu me cuisines un petit peu. Un big burger. Ok, bon, bah tu sais quoi, je vais te cuisiner ça tout de suite. Donc pour cela, les amis, comme d'habitude, vous prenez un pain. Ok, ok. Du coup, je prends 4 pains. D'accord. T'inquiète. Et on va prendre aussi du poisson pour Darwin. Et on va prendre un peu de charbon pour allumer le four. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, vous prenez le poulet cru, vous placez les charbons et vous attendez que ça cuit. Par contre, je sais pas si on peut cuire les poissons. On va tester ça. Hop, voilà. Et du coup, ouais, bon, bah on peut pas cuire les poissons. Et du coup, pour Darwin, on va laisser ça comme ça. Tiens, Darwin, tiens, voilà ton pain et ton poisson. Du coup, je te laisse récupérer ça. Et pour Marina, on prend le poulet rôti ainsi que le pain. Et du coup. Tiens. C'est ma famille, je mange pas. Ah, c'est ta famille, tu manges pas. Bon bah c'est ta famille. Ok, bon, tu sais quoi, je laisse ton poisson et tu manges que les pains. Tiens, vas-y. Tiens, je te passe du pain avec du charbon. Mange le le pain avec le charbon. Du coup, t'aurais pas une petite récompense pour moi? Je vais gober ça. Vas-y, gob. Tiens. Je t'aime, tiens. Vas-y, passe-moi une petite récompense. Moi aussi, j'ai une récompense. Ah ouais, de l'eau. Mais moi, je sais pas nager en fait. Vas-y, passe-moi une autre récompense. J'ai une récompense qui va te faire plaisir. Ok, bon, ma mère. Bah, vas-y, envoie-moi ta récompense. D'ailleurs, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous savez nager. Moi, personnellement, je sais pas nager.
Et non, prends pas le bébé Darwin. Ah. Faut que tu respires sous l'eau, tiens. Bah vas-y, bah passe, tu l'as récupéré en fait. Ah ouais, et ok, les amis, nickel, je viens de récupérer un bonnet et ils m'ont passé un trident. Bon bah super, hein. Du coup, je vous remercie à tous les deux et je vous dis à la prochaine. Ah, oh, ils ont vraiment été sympas ces deux-là. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. Et n'hésitez pas également à m'ajouter sur Snapchat et sur Instagram. Et également de rejoindre mon serveur Discord. Il y aura tout en description. Et du coup, venez me rejoindre, on pourra discuter des prochaines dédicaces, des prochaines vidéos et tout. Bref les amis, je vous dis à la prochaine.